Bonjour Frère Maxime, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole. Jean Fédon lundi, votre chef à la maison qui entre la caille. Moi, je dis nous merci. Hein. Merci pour confiance nous et fidélité nous. Je dis à la moelle préparer un poisson pour nous. Okay? Poisson à la moelle préparer, le but, ce n'est pas juste poisson. Hein. C'est parce que il y a des gens qui demandent pour moi préparer poisson pour y arriver à sortir entier. Pour poisson bien cuit, bien bon et puis pour le sortir entier. Donc, mes poissons là, je suis à la ville déjà. Ici, que nous achetons, ils sont vides pour nous. Vide, elle dit tout retirer triplant dans pour nous. Moi, même celle ça me fait la caméra, moi, je viens de mettre de l'eau froide. Et puis après, ça me passe citron, bien citronné. Et puis après, ça me rince et puis c'est prêt. Quand on a poisson, ça me préparer pour nous. Première, je vais nous. C'est très important lorsque nous faisons un poisson pour nous quitter acide la rentrée là-dedans le plus longtemps que possible. Minimum 3 heures de temps, mais si vous quittez le fait toute la nuit, tant mieux. Quand on a là, moi-même, c'est ça que je vais le faire, je vais le montrer nous. Normalement, là, nous en Haïti, nous faisons incision dans le poisson, nous couper là. Moi-même, je ne pas couper, ok? Mais la seule chose que je vais faire, je vais quitter le macérer très longtemps. Pour me commencer, je vais mettre deux belles cuillères épices haïtiens. Quand on a là, je vais mettre, ça va dépendre de vous-même comment vous mangez sel, ok? Mais là, moi-même, je dis nous, je vais mettre une cuillère et demi de sel, ok? Quand on a là, je vais mettre un quart de tasse de citron, jus de citron. On mettait demi tasse de vin. Si vous n'avez pas de vin, c'est pas un problème, ok? On mettait persil. Si vous avez un thym, vous avez tout mettre thym tout. Même pas de thym, pas mettre. On mettait une cuillère de pâte de tomate. Pâte de tomate là, on mettait juste pour être nous-mêmes. Mais vous ne pouvez pas mettre, ok? L'huile là, on mettait un genre de cuillère comme ça là, pas plus. Qu'on a là, on va rentrer tout ça en dedans poisson. Surtout bien prendre le temps pour nous rentrer en dedans poisson épice là. Na moi quitter un petit paille de persil en dedans poisson en tout pour le côté parfum, pour le parfumer bien parfumé pour moi. Qu'on a là, c'est déjà assez là. Qu'on a pour qui ça fait moins tremper dans ça, c'est non chaud, j'aime pas le cul. Moi tremper là-dedans parce qu'il est rentré au complet, d'accord? Pour les bien mariner avec. Na la m'a quitter le mariner au moins un bon 3 heures minimum, OK? On a la mariner, moi mettre un petit piment bouc là-dedans. Même cette fois-ci me quitter entier. Et puis me prendre quelques rondelles d'oignon, moi couvrir. Et puis moi quitter reste là, nous pas voir qui ça m'a fait et puis qu'on va mettre une couverture sous lit, m'a quitter le fait 3 heures de temps. Non là mettre couverture à sous lit. Hein? Moi découvrir lit. Après une heure et demie, qu'on a l'emballé, nous changer le bord. En dedans, nous pas besoin de faire rien en dedans. Parce que pour épices qui en dedans là, il pas un problème lui-même. Ok? Nous allons remettre encore pour l'autre une heure et demie. Qu'on a là, moi venir après 3 heures de temps avec poisson. Qu'on a là, nous tous, très souvent, ça nous possède la canne, nous possède une chaudière. Mais mettez chaudière là qu'on a mettre poisson là-dedans. Avant que mettez poisson, on prend quelques tranches d'oignon, on mettez en bas chaudière. Mettez en bas chaudière parce que pour poisson, elle va coller, elle va chita sous l'air pour ne pas décoller pour. Regarde. Tout mettez chita sous oignon. Qu'on a là, on mettez petit jus bouillon là-dedans avec tout ça me pour mettre là-dedans. Un petit piment sali là pour juste pour un bon parfum, ok, pour le sentir bon. Il y a un monde qui remet petit girofle, il doit mettre petit clou de girofle là dedans, ok. Quand on a là, moi même moi mettons petit poivre, n'a son j'aime pas mettre poivre tout à l'heure, mettons poivre de ce côté là. Une fois que mettez poivre là, qu'on a là, moi mettez couverture. Quand on a mettons couverture sur lui, qu'on a m'ouvre foie, faut nous apprendre à jouer avec chaleur, ok. Moi mettez fou moins à 5, allez dire mettez fois à mon médium. Une fois que 5 minutes là écoulé, moi découvre li qu'on a là on va le virer poisson. Bon ça qui est en bas, li qui est en près là. Et voilà, un bon petit poisson au vin créole. On quitte ça à cuire tranquillement et puis voilà. Qu'on a nous quitter ça comme ça là et puis de temps en temps on prend un petit bouillon, nous vider sous lit. Et puis nous quittons toujours à I5, hein, à moitié, pas plus. Là.
un bon petit poisson créole au vin blanc. Qu'on a ou même sur un petit goût piment ou qu'à péter piment, d'accord? Mais si toutefois vous te mettez clou de girofle là-dedans, ou pas besoin de péter parce que petit clou de girofle est en fond tout déjà, ok? Quand on a regardé là, c'est déjà quasiment prêt là, ok? On toujours continuer même petit mouvement, m'a mettre petit jus pas du sud là, ok? Qu'on a là, moi fini. Moi fait mes fois. N'a gon bagaille très important de oublier dit nous, ok? Si toutefois ou même pas faire avec vin, côté toi même de mettre tasse vin, hein? Ou mettre une tasse de bouillon de poulet. La pour ton petit goût là-dedans. Mais ou, sou pas mettre c'est pas un problème là parce que poisson en lui-même même dit gon goût, ok? Na une fois que me fait même mets ton petit huile d'olive là-dedans. OK. Une fois que me mettez ti l'huile d'olive là-dedans, qu'on a la bien secouer. OK. Allez dit là, c'est quasiment prêt. Qu'on a moi chercher un petit chauffage sous d'eau encore, nous songe n'ta plus de voyer de l'eau sous lui. Qu'on a la moi mettez couverture là, il y a 3 minutes encore. C'est tout. Qu'on a la mené font ti sous quel comme ça. 3 minutes là, nous fin fait à bouillir dernièrement. À la toute fin, qu'on a fait mes fois, moi quitter le comme ça, qu'on a pour chaleur qui en dedans là capable continuer la continuer cuisson pour moi sous d'eau à surtout, ok? Qu'on a mes poissons là, on les vélé, c'est prêt, ok? Qu'on a moi le mettre dans un bol, ok? Qu'on a prend yon sorte de spatule, yon chose bien plat pour me lever poisson. Dans mes côtés en l'air, en bas. On quitte pas en bas, moi prend ça moi lever poisson moi bien chelbert. Moi déposer dans l'assiette moi et voilà. On déposer sur lui et voilà. Quand on a l'autre pour le mettre son table pour bailler mari ou bien pour bailler mon baïlia, moi penser des moi prend petits oignons crus que moi et belle là, OK? Puis mettre un petit concombre à l'entourer. Ça son petit concombre normal, moi juste simplement calé concombre là, d'accord? Une fois que nous finons le poisson, menim présenter là pour nous, on mettre le sous table là comme ça. Tout le monde va manger à peine un petit concombre, un petit oignon et puis nous manger. On a là, on va laisser passer fourchette là-dedans pour moi. Est-ce que j'aime faire cuisson pour nous? Est-ce que d'eau ça cuit vraiment? OK? C'est parfait, regarde, c'est blanc, c'est excellent, regarde. Regarde-moi ça. C'est parfait ça, hein? Non? Il y a pas de sang là-dedans, c'est excellent. Chef vient en arrêté normal. Regarde-moi ça. Un délice. Et citron est là. Le goût vin en balle tout. C'était très très bon. Hein? Un petit poisson créole au vin. Pas oublier de partager la vidéo. Hein? Et puis mettez un petit like. Hein? C'était JFL Cuisine Créole. J'en fais dans lundi. Votre chef à la maison. Merci. Au revoir.